Bonjour, est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien? En ce vendredi, on reprend les bonnes habitudes. On s'était fait un petit peu emmerder la semaine dernière par le barbu parce qu'on était obligé de faire ça un jeudi. Et ben aujourd'hui, on se fait ça vendredi. Alors, est-ce que le chat apparaît? Non? A priori, oui. A priori, non. Voilà, le chat apparaît. Est-ce que vous allez bien? Salut, salut Nang. J'ai vu qui était là de la semaine dernière. J'ai vu Pierre-François, salut à toi. Bonjour à tous. On est déjà une grosse vingtaine, c'est cool. Qu'est-ce que vous avez ouvert? Moi j'ai une bière aujourd'hui qui n'est pas commercialisée. C'est mon ami Stéphane de la semaine dernière, donc du Bubar, qui m'a ramené ça. Petite sour à la mangue. Et comme vous pouvez le voir, bon, il y a un petit filtre sur la caméra, mais c'est plutôt pas dégueulasse au niveau de la couleur. Ça respire les fruits. Salut Thibaut, salut à tous. Petite gorgée d'apéro. Est-ce que vous avez bien vécu le déconfinement? Est-ce que vous avez pu aller est-ce que vous avez pu retourner dans vos endroits préférés? Dans vos caves en tout cas, pas dans les bars. N'hésitez pas à me dire ce que vous buvez dans le chat. On va accueillir Fabien d'ici une petite dizaine de minutes, une petite, on va pas trop le faire attendre. J'ai quelques petites infos à vous donner en intro, et puis après on pourra partir. N'hésitez pas à rajouter ce que vous voulez dans le chat est à vous. Hopgarde, bonjour, bonjour à tous. Alors, première info, n'hésitez pas à mettre dans le chat qui vous voulez voir au prochain live. Alors je sais que certains auront déjà leurs petites suggestions, et elles sont les bienvenues. Moi, j'ai quelques petites idées. Je ne trouve pas une nana. Il y a trop de barbus avec des casquettes dans ces lives. Il y a beaucoup trop de barbus avec des casquettes. Mais on essaie d'y remédier. Donc, ouais, n'hésitez pas à me balancer qui vous voulez voir dans le prochain live. Salut Pi, salut Fred. Toujours Fred, toujours présent. Salut Julien. Ça va les potes? Alors, une petite Easy IPA de la dilettante. Ah oui, c'est le fameux trio en DDH qui coule. En DDH, une alizée de Aérofab. Alors aujourd'hui, on est sur Nautil, donc fallait ouvrir la bonne bouteille, les gars. Mais j'ai l'impression que les gens ont un live de retard. La semaine dernière, on était sur Bubar, donc vous les ouvrez aujourd'hui. La semaine d'avant, on était sur Aérofab, vous les avez ouverts au Bubar. Je voulais balancer quelques petites infos. Ah, la session IPA de Nautil, évidemment. Petites infos, il risque d'avoir une refonte de toute la charte graphique de la page. Donc si dans les semaines et mois à venir, vous voyez que tout change, peut-être même le nom, il ne faudra pas trop vous en faire. Le sujet bière reste le même, bière artisanale, évidemment. Les ateliers sont toujours d'actualité, plus que jamais d'ailleurs, et voilà, mais il va y avoir un petit changement de couleur, de typo, de logo et tout ça à venir. Avec Nico de la Hulotte à Sautron, on réouvre les ateliers de dégustation, donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. On a des créneaux le 20 mai, le 3 juin, le 17 juin et le 1er juillet, le tout vraiment dans des conditions sanitaires optimales. Et on limite à 8 personnes. Donc je vous mets un petit lien dans le chat si ça vous tente pour pouvoir réserver vos ateliers de dégustation avec la Hulotte. Hop, je vous envoie ça tout de suite. Bim, c'est parti. Deuxième petit point, j'essaie d'être assez réactif. En ce moment, vous savez que les bars sont fermés, on va en parler avec Fabien, ça pose pas mal de soucis dans la bière artisanale. N'hésitez pas à rester au courant de tout ce qui se passe sur cette page, puisque à la réouverture possible, et on croise les doigts, on croise pas les bras justement, des bars et des restos le 2 juin, l'idéal ce serait de pouvoir commencer à organiser des événements autour de la bière. Le petit concours d'aujourd'hui qui vous est offert justement par la brasserie Nautil, eh bien c'est un petit six pack dégustation. Il suffit juste de partager le live dans votre feed Facebook et on fera un petit tirage au sort de ça.
Merci, merci à eux pour le petit cadeau. Et puis vous avez toujours ce code promo qui défile juste en bas pour vos livraisons de cocktails avec l'équipe de Mother Shaker. Et pour en avoir goûté, ça tue vraiment. Je vous conseille le Punta Cana, qui est pas mal, avec des fruits rouges. C'est une buterie. Alors tout de suite, sous vos yeux ébahis, une Hop Guard qui n'est pas fraîche. Salut Clément, salut Seb. Salut Manou, salut Matt. On va essayer de choper Fabien. Fabien, est-ce que tu m'entends? Alors Fabien, il va se démute. Il est là. Et moi, je vais l'ajouter. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, c'est bon. Ouais. Alors par contre, tu t'es démute, mais Ouais. t'as filmé l'arrière. Ok. Ça va revenir, les potes. Et on est bon. Super. Est-ce que ça va bien? Nickel, ça va bien. C'est Là, nickel. t'es à la brasserie? Ouais, je la brasserie là. À la brasserie, au bureau, quoi. Le taf de bureau, entre guillemets. Est-ce que tu t'es ouvert un petit truc à boire à 7 heures d'apéro? Je veux Tesla au grill. Ouais. J'en ai sous le coude. J'ai cru voir passer Vincent tout à l'heure. Ouais, il est là, il est de l'autre côté. Il y a Clément, il y a Jérémy, il y a plusieurs là. Là. Ok. Et donc là, vous avez séparé un petit peu les tâches des équipes, c'est ça le délire? Ouais. Chacun plus ou moins sa tâche. Vincent est plutôt sur l'aspect commercial, livraison. Clem est vraiment sur le brassage. Ouais. Et du coup, moi, je suis plus sur la partie achat. Voilà. Ok. Et écoute, pour ceux qui te connaissent. Ah, il n'y a pas de casquette, ouais. Où est Jérémy Non. Morvan? Jérémy Morvan est sur les internets, tout le monde le sait. Et pas de casquette, bah ouais, mais on essaie d'avoir un petit côté nouveauté, quand même. Tu mets pas trop de casquette, toi, Fabien. Non, c'est moi, ouais, non, moi, non. Ouais. Jérémy, on a souvent, et moi, non. Écoute, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. On va faire un petit tour de la brasserie après, mais toi en particulier. Ouais, ça marche. Donc, moi, c'est Fabien. Je suis breton d'origine. J'ai fait mes études à Paris. Et après, je suis parti vivre en Irlande, où à la base, j'étais dans le web et la com. Et puis, du coup, j'avais monté une start-up liée à la bière en Irlande. Je suis revenu en France il y a 5-6 ans, 6 ans maintenant, avec dans l'idée de faire un projet lié à la bière. Au début, du coup, j'avais commencé à regarder justement avec Clément, qui est un associé, mais on avait plus ou moins laissé tomber. Par contre, on a bien avancé avec Vincent, qui est devenu mon premier associé ici. On allait monter un projet tous les deux et vraiment au dernier moment, on a vu que Clément arrêtait son ancienne brasserie qui s'appelait la brasserie de Bonne Garde. Et parce que du coup, il avait un matos un peu compliqué, c'était un peu compliqué de bosser l'été, etc. Et puis, du coup, ça c'était à midi, je crois, et le soir à 18h, on avait l'idée de monter la brasserie tous les trois. Voilà, je les ai fait se rencontrer, ça a matché. Et c'était parti. Un mois après, on avait monté la 18h, boîte. c'est assez tôt dans la journée, hein. D'habitude, les Ouais, bonnes idées arrivent vers minuit, 1h du matin, quoi, non? on a fait ça parce que il y avait des impératifs après, mais on s'est Ouais. rattrapé. Donc là, aujourd'hui, la brasserie, elle a 3 ans ou elle va avoir 3 ans? J'ai été coupé, pardon. Alors, c'est bon, c'est revenu. Je disais, la brasserie, elle a 3 ans ou elle va avoir 3 ans? On est sur les 3 ans, Alors, là. elle va avoir 3 ans, mais du coup, la création de la brasserie, notre premier brassin était le 13 octobre, il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, ok. Ça va arriver. C'était quoi l'idée de départ de cette brasserie? Parce que là, tu nous as raconté votre aventure, donc la tienne, avec ton passif. Mais quand vous créez la brasserie, et le projet en commun, c'est de faire de la bière. Mais c'est quoi vos inspirations? C'est quoi vos objectifs à ce moment-là? Du coup, c'était principalement non linéaire la bière que faisait Clément à l'époque. Du coup, vu qu'il arrêtait, on voulait conserver quelque chose un peu similaire. Donc, avec Vincent, on brassait déjà en amateur un petit peu, enfin, depuis quelques temps déjà. Et voilà, du coup, on avait dans l'idée de monter un truc sur des bières que nous, on aimait bien, à savoir tout ce qui était bière noire, bière houblonnée, bref, un peu tout ce qui nous plaisait et pouvoir justement s'amuser sur des trucs, Des choses des que vous trucs. n'aviez pas forcément l'occasion de trouver dans d'autres endroits, en fait. Pas forcément ce qu'on voulait dans le local, et du coup, on s'est dit bah, ça pourrait être sympa de le faire, nous. En fait, Ouais, vous avez pourquoi eu la démarche d'un beer geek,
Mais au lieu d'aller chercher les bières qui vous plaisaient, vous vous êtes dit, on va les faire, Ouais, c'est un peu ça, quoi. ouais. Ouais. Du coup, on n'a pas tous, on est trois, on n'a pas tous les mêmes goûts à la base. Vincent, c'est plus beer geek, Clem est plus crady, et moi, je suis un peu intermédiaire. J'aime bien vu mon passé, j'aimais bien m'intéresser à tout ce qui se passait justement à côté ou pas trop loin, etc. Comme bière, quoi. Cool. Moi, nous, on se connaît depuis peut-être maintenant 2 ans, en fait. J'étais pas là au tout début, moi, quand même. Mais je trouve que vous êtes hyper actif sur les festivals, sur les salons bières, sur les festibières. Vous en avez fait quand même pas mal. Tous les gros, vous les faites, en tout cas, si je me plante pas. Ou vous les avez fait au moins une fois? C'est ça, ouais. Ouais. C'est vraiment une volonté pour vous d'aller chercher ce créneau-là? C'est pour du lien, c'est pour avoir des nouveaux clients, ou c'est juste pour se faire kiffer, la visibilité peut-être, un peu de tout? Ouais, c'est principalement du lien. En fait, quand on a créé la brasserie, du coup, initialement, donc quand on était tous les trois, on a énormément, énormément travaillé. On faisait bah, rien d'autre. Jamais on voyait personne, c'est-à-dire qu'on n'a vu aucun brasseur pendant presque 6 mois, je pense. Ah ouais, ok. Et du coup, en fait, la première fois, on avait été invité à un événement, on est sorti pour faire un événement, donc, et ça a été sympa de rencontrer pas mal de gens qui avaient les mêmes contraintes que nous, les mêmes difficultés. Enfin, bref, les échanges, on avait trouvé ça assez cool. Les difficultés, je parle surtout en termes de planning, où on avait des grosses, grosses journées avec pas mal de choses à améliorer sur la salle de brassage pour aller plus vite, etc. Et voilà, c'était ça un peu l'idée à la base. Et puis du coup, on a commencé à faire ça une première fois, puis une deuxième fois. C'était aussi l'occasion pour nous trois de pouvoir nous retrouver en dehors de la brasserie dans un univers un peu plus sympa. Donc en fait, c'est plutôt une démarche personnelle, quoi, enfin personnelle de nous trois. Et puis voilà, donc c'était plutôt cool, on a bien aimé. Maintenant, on commence à avoir pas mal de potes qui sont des brasseurs. Et du coup, c'est l'occasion de les voir un peu tous, les brasseries qui sont justement ben, en Savoie, Bordeaux, à Paris, Ouais. etc. Voilà, c'est un peu le retrouver les potes. Ça vous a permis aussi de nouer des liens avec des gens qui n'étaient pas forcément des amis, en tout cas de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. C'était déjà des gens que vous connaissiez? C'est en Non, festival que non, on vous s'est avez rencontrés rencontré? un peu par hasard au fur et à mesure. Voilà, on se côtoie en festival et puis on vient. Voilà, ça marche bien, ça match bien. Et bah, j'avais une question là-dessus, mais vos collabs sont nés de ça? Alors, tu rencontres un gars d'une brasserie, ça match, et vous lui dites, il y a moyen, au-delà de juste discuter, de passer un bon moment, vas-y, on se fait une bière, quoi. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais. Après, c'était même pas forcément des gens, enfin, des festivals où nous, on était présents ou inversement, justement. Par exemple, l'idée de collab avec la brasserie de lettres, elle était alors qu'on venait juste de créer la brasserie. On est allé à Paris et on n'avait pas de brasserie encore, quoi. Et du coup, on avait déjà parlé de collab à ce moment-là. Après, oui, par exemple, le Galibier, c'est quand ils sont venus à Nantes. Et le détour, c'est quand on est à Montpellier. Bref. Ouais, il n'y a Voilà. pas un standard de comment naît une collab et comment ça se passe. Voilà. C'est marrant. Tu penses que ça vient des gens avec qui tu es, ou c'est les circonstances qui font ça? Parce que Galibier, tu dis qu'ils viennent, donc vous. La rencontre avec Galibier. On veut les explications de la rencontre avec Galibier. Tant mieux. Le particulier, du coup, ils sont venus à Nantes pour un festival. Du coup, bah, c'est là. Et puis, en fait, ils partaient pas le jour même, ils partaient le lendemain. Du coup, vu qu'on n'était pas très loin, ils sont venus visiter la brasserie. Et après, on allait boire un verre, et puis ça a duré très tard. Et en fin de soirée, bah, on a défini qu'on allait faire une bière. Et puis 6 mois après, on allait brasser chez eux. Et 8-9 mois après, ils sont venus chez nous, un truc comme ça. Ah ouais, donc là ça se passe vite. Ouais, c'était passé assez rapidement, ouais. Ouais, c'est plus rapide qu'avec d'autres. C'était un coup Voilà, d'un. ça. C'est ton coup d'un soir du brasseur, quoi. Ouais, bon, c'était fin de soirée, c'était marrant. On a eu une idée un peu marante, parce que du coup, en fait, on a une brute IPA ici, hein, le Bon et Truand. Il l'avait bien aimé. Et du coup, l'idée, ça avait été d'aller brasser la version d'hiver à 10 degrés chez eux pour l'hiver, justement, donc en montagne, et de faire une version d'été chez nous à 3 degrés 3. Ok, Voilà. super. Là,
tu parles de, tu parles la brute et le truand. Vous avez une gamme fixe. Vous êtes à combien? À 9? 6? 9? 9, je crois. 11. 11, ok. Vous êtes 11 sur la gamme fixe. Et Alors en après, fait, c'est de l'éphémère. on a une fixe, mais qui avait quand même des saisonnières. Par exemple, la double IPA, vu que c'est vraiment une double IPA à l'ancienne, c'est pas du tout typé, du coup, comme le bon et le truand, c'est un truc très fruité, c'est vraiment un truc costaud, rond, sucré. Ouais. Ça, elle est plutôt d'hiver quand même. Hein. On a des bières voilà, comme ça. La session IPA, elle est plutôt l'été. Voilà. Du coup, même si elles sont là en fixe, elles restent saisonnières. Et après, on a pas mal, on a une grosse gamme d'éphémères, ouais, parce que du coup, entre les collabs, les variations, les barils. Ouais, dernièrement j'ai goûté votre bah, je crois que c'est l'IPA en fût de bourbon. Ouais, c'est la double IPA en fût de Double bourbon, ouais. IPA en fait. Bon, ça c'était vraiment ouf. Il y avait vraiment des saveurs. Ça, c'est vraiment un truc où vous êtes dit, vas-y, on a une barrique, on fout dedans et on verra. Où il y a une réflexion avant et tu te dis, bon, bah là, j'ai 7 bières, je vais aller acheter 7 barriques et je vais essayer de faire tel ou tel produit. Dans le cas de la double IPA, non. En fait, on avait une barrique de dispo, donc qui était sur du coup une barrique de bourbon, et on voulait mettre quelque chose dedans. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on allait mettre. À la base, on pensait peut-être une Imperial Stout, un truc comme ça. Ah Et ouais. puis en fait, on s'est dit que ça pouvait être bien sympa sur notre double IPA vu son profil, quoi. Et du coup, on s'est dit bon, quitte ou double, on y va. Effectivement, on l'a mis sur une double IPA, on l'aurait mis sur aucune autre de nos IPA, sur notre brut IPA, c'était, enfin, je pense que ça aurait été complètement inintéressant, parce que du coup, c'est très houblonné sur Ouais, du t'aurais barillet. perdu le houblon. Mais par contre, sur la double IPA vraiment à l'ancienne, on s'est dit que ça pouvait bien matcher. Cool. On nous demande si vous avez un programme barrique, un programme barriqué. Et ben, ouais, on a un. C'était en cours, et puis il y a eu Il y a le eu un Covid. truc. Il y a eu un truc. Du coup, on a arrêté l'achat pour l'instant. Ok. Ouais, c'était un programme d'achat, faire un chai, c'était ça un peu l'idée? On peut y aller tranquillement, mais on avait déjà pas mal de brassins prévus barriqués et sur différents types. Mais Parce voilà, que. c'est Parce que là, pour que les gens puissent comprendre, et n'hésitez pas à poser vos questions à Fabien, pour que les gens puissent comprendre, il y a une différence entre acheter 3 barriques et mettre un petit peu ce que tu as qui irait bien, et après avoir une autre démarche, si je comprends bien, de brasser pour mettre en barrique. Ouais. Bah là, oui, là, pour l'instant, on a commencé en prenant une partie de ce qu'on avait brassé et en mettant dans une barrique, donc c'est-à-dire quelle bière irait bien chez nous dans cette barrique. Par contre, là, on a en prévision donc des recettes spécialement dédiées à ça qu'on imagine bien collées à certains types de barriques, quoi. Et on parlait de votre gamme, là on parle de barrique, donc on parle vraiment des bières. Je sais que Vincent m'avait dit que vous passiez en bio, enfin vous avez déjà une grosse gamme de brassés au malt bio, et là vous essayez de passer en full bio, c'est ça? En fait, notre malt est full bio déjà, hein. Ok. Depuis presque l'été dernier. On a par contre en prévision de passer certains, parce que du coup tous nos houblons ne sont pas bio pour l'instant. On a prévision d'en passer de plus en plus en bio et même local en fait. Et voilà, ouais. Mais oui, pour l'instant, on n'a pas fait la démarche. Enfin, elle a été lancée, mais on n'a pas validé encore le truc. C'est plus pour nous de brasser sur du bio, voilà. Putain, j'ai du boulot. Après, c'est un truc, c'est une démarche perso à la base, quoi. Enfin, de nous, quoi, je pense. Salut le délirium, qui sont en train de boire la session toujours. Ils sont toujours à la session. Je pense que d'ici la fin du live, ils vont finir le fût et les bouteilles de Jaeger. À mon avis, il y a moyen. Là, dans la démarche du bio, c'est vous le faites, mais vous communiquez pas dessus. En fait, c'est juste vraiment votre éthique perso qui fait cette volonté d'aller chercher du bio. Parce que moi, j'ai pas vu sur vos bouteilles. Explicitement marqué malt bio, ce genre de choses. C'est des Non. choses que ce qui se font quand même. Oui, bah, faudra peut-être qu'on fasse. Ouais, mais c'est vrai que bon, à la base, c'est plutôt pour nous. Après, oui, on le fera sûrement. On a mis déjà 6 mois, je crois, à contacter le label pour avoir ça. Après, ouais. Mais oui, on le fera plus tard, je pense, ouais.
Enfin, c'est même sûr. Mais pour l'instant, on voulait de toute manière nous le faire pour nous. Voilà. Ouais, ok. Et ça va dans votre démarche de limiter les impacts environnementaux. Vous êtes passé sur du, je crois que c'est ça, du bout à bout sur le 75, donc de la consigne. Exactement, sur ceux de l'appareil, ça doit dater d'un petit moment, peut-être l'été dernier, ou non, plus après, peut-être novembre, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Que sur les 75 actuellement, on est chez bout à bout, donc on fait de la consigne, on fait du lavage de bouteilles. Sur le 33, on voulait le faire, le problème, c'est que nos bouteilles ne sont pas de la bonne taille, elles sont un peu petites, enfin, ce n'est pas le bon modèle, elles sont un peu plus petites. Et du coup, si on veut changer et passer sur, bon, ça s'appelle des long neck hautes, on doit changer tous nos cartons. Tous nos cartons, et Ah ben, c'est ouais. beaucoup de cartons. Et donc, tant qu'on n'a pas passé le stock de cartons, on ne change pas. Donc Ok. là, justement, on est en train d'y arriver. Et donc, c'est l'objectif, je pense, à partir de septembre, si tout va bien, on sera full, complètement chez bout à bout. Mais bout à bout. Et sinon, ouais, voilà. En gros, c'est un truc. Idem, on regarde pour passer sur des cartons sans scotch, pour réutiliser les cartons, etc. Ok. On en parlait avec Charles sur le Craft Beer Live numéro 3, sur cette problématique de changer ton format, quoi. Passer en canette 33, puis en passer en canette 44, ça, tous les cartons, toute ton étiqueteuse, ta ligne, plein de changes. Fred, j'ai pas compris ta question, donc si tu veux bien réitérer, salut à Alexis, salut à tout le monde. Si vous avez des questions, vous balancez. J'en profite pour faire un peu de promo pour vous. Là, vous avez créé l'antre du Nautil, c'est ça? C'est votre shop en ligne qui vous permet d'aller faire du retrait en drive et vous faites quelques livraisons. Je peux parler de ça un peu? Sur votre calendrier de livraison, j'ai vu que c'était quand même un truc assez fat parce que vous livrez assez loin là. C'est cette semaine ou la semaine dernière où vous avez livré jusque quasiment Saint-Nazaire? Ouais, c'est. Ouais. C'est en cours. Hier. Hier. Non, hier, aujourd'hui, Aujourd'hui. pardon. Vincent, rien de ça. Oui, bah, en fait, ce qu'on a. Quand on a annoncé la fermeture des bars, bah, nous, on fait beaucoup de films à la base, hein, donc on est sur presque 70% en ce moment, enfin, juste avant le Ok. confinement. Du coup, ben, on sait, et on ne travaille pas tant que ça sur le local, en fait, à la base. On travaille pas mal sur. Un peu partout, enfin, vu qu'on fait des fûts un peu spécifiques quand même sur justement les bières d'Ariquier, les Barlet ou les bières cheloues, on ne les vend pas forcément à Nantes, donc on les vend Ouais. partout. Et du coup, bah, on n'est pas forcément très connu sur Nantes et sa région en bouteille, vraiment, quoi. Enfin, on l'est un peu, mais pas tant que ça. Le fût, c'est les 70% de fût, c'est vraiment sur du local et tout le reste, c'est par ailleurs, Non, c'est ça? pas mal un peu partout, on Ah ouais, ok. travaille. Un peu à Paris, à Lille, à Montpellier, enfin, pas mal en Bretagne. Voilà, on en voit un peu partout dans des bars craft, quoi. Et du coup, du coup, sur Nantes, on fait plutôt nos références classiques, enfin, Nantes et sa région. Et donc, donc il a fallu se retourner assez rapidement. Et donc, la solution, ça a été de monter un drive et puis de monter des livraisons particulières. Mais du coup, pour essayer de limiter la casse, hein, clairement. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Ça a clairement limité la casse. Les gens jouaient le jeu, vraiment, c'était super. Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup plus connus maintenant comme brasserie sur Nantes et sur la région qu'avant le confinement, quoi. Ça nous a bien dépanné. Ça nous a vraiment bien dépanné, ouais. En gros, les gens, ils se sont dit, on est confiné, on veut de la bière, on va prendre du local. Et là où C'est ça. d'habitude, ils n'avaient pas forcément accès à vous, là, ils étaient livrés à la maison, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, je trouve que c'est un peu ce qui s'est passé pour pas mal de choses. Il y a pas mal de restos aussi où nous-mêmes, on joue plus le jeu, où on se déplace de plus en plus pour aller au resto, etc., pour prendre à emporter ou des machins, enfin, on va chercher, quoi. Et du coup, pour éviter pas mal de choses, quoi. Du coup, c'est pas mal, hein, cette démarche. Je trouve que, ouais, il y a eu pas mal de choses de ce côté-là. Et bah maintenant, c'est ce qu'il va falloir, c'est conserver ça, je pense, pour les restaurants, pour tout le monde. Je parle pas que de nous, du coup. Voilà. Bah ouais, heureusement et malheureusement, tu vois un peu les différentes prises de position des pros là-dessus sur cette crise, savoir est-ce qu'ils ont baissé les bras, ils ont dit je veux rien faire, je peux rien faire, Il y en ou a qui ont est-ce fait ça. qu'ils sont sortis. Donc la question de Fred, c'était Fred qui bosse pour la brasserie Le Trèfle Noir au Québec, dit que eux ils prennent principalement du malt anglais, belge et français.
Et vous, vous prenez où? En sachant que je crois que plus de 70% du malt mondial est français, donc ça va être assez vite de répondre, non, je pense. Ben nous, en fait, notre malt est principalement français, et du coup malté en France. Et l'autre partie, pour tous les malts spéciaux, c'est français, malté en Belgique. C'est avec la malterie du château ou je sais qu'il y a une malterie à Vannes, vous bossez avec eux? Non, on travaille pas avec la malterie à Vannes. Pardon. Mais c'est quelque chose qu'on veut faire. On travaille avec les maltiers, du coup, qui sont dans l'Est. Et sinon, avec la malterie du château pour tous les malts spéciaux. Ok. Et pour les houblons, tu parlais des houblons locaux. Bah, du coup, Patrice. pardon. Patrice Oui, Locaux. nous, on... nous, on travaille du coup principalement bah, avec Yakima, surtout les houblons Ouais. américains. Si tous les houblons nobles, bah, on travaille du coup, enfin, pas dans le coin, justement, par contre, c'est le but, passer dans le coin avec. Le champ du houblon, des choses comme ça, qui ont des machines à peler là, à partir de septembre. Okay. Et ce que nous, on a une contrainte, c'est qu'on travaille qu'avec du pelet. On Ouais. a pris à la base sur notre brasserie pour travailler qu'avec du pelet. Et du coup, bah, les gens qui ne travaillaient pas avec du pelet, on ne pouvait pas travailler avec eux avant. Mais maintenant, du coup, les locaux s'y sont mis, enfin, s'y mettent à partir de septembre. Et du coup, ça va nous permettre de Eh travailler avec oui, eux. Voilà. c'est marrant parce que enfin, pour moi, tout le monde fait du pelet ou tout le monde brasse avec du pelet. Y a quand même des producteurs de houblon qui le font pas, qui gardent de la Bah, c'est fleur, de la principalement cône. le coût aussi, ça coûte très cher. Donc Bien sûr. voilà, comme machine, du coup. Pardon. Donc, comme machine, ça coûte très cher, ouais, pour faire Ok. du Et pelet. Voilà. Donc c'est bon. c'est mon but, c'est de pouvoir avoir le ou les personnes qui sont dans le champ du houblon pour les faire venir. Parce que bon, les brasseurs, il y en a un peu marre au bout d'un moment. Là, j'ai fait le trio Nautil, Aerofab, Bubar à la suite. Donc c'est, je peux le rayer de ma liste. Est-ce que l'approvisionnement des houblons américains est difficile pour la France et l'Europe? A priori, non, hein. Non, ça va. J'ai vu une Donc, bien story sûr. dernièrement de l'entrepôt de Rolling Beers. A priori, même pour les brasseurs amateurs, tu peux avoir vraiment matos. Donc, pour les pros, j'imagine que c'est encore plus facilité. Ouais, alors après, il y a quand même des petits trucs. Par exemple, bah déjà en bio, c'est compliqué, par contre. Bio, Bio, c'est un c'est peu la. chaud. Ouais, et puis le bio américain, sûrement pas la même valeur que le bio européen, j'imagine. Ouais, voilà. Pour le pelet versus le cône, c'est juste une question de stockage ou autre chose? Il y a quand même une problématique de contamination dans la fleur de houblon, en tout cas dans le cône de houblon. Ouais, bah nous, c'est surtout en termes de transport, effectivement, en tout cas, et puis conservation, hein, parce que du coup, le pelet, ça se conserve mieux, c'est quand même compressé, etc. Voilà. Nous, c'est surtout pour ça. Et puis en termes de transport, donc on n'est pas sur le même volume, le stockage, quand on doit stocker 200 kg de houblon, Eh ben t'as ça me vraiment. fait une bonne transition parce que vous avez de la place maintenant. C'est ça le truc. Donc là vous êtes à Rosy entre Pirmil et Nouvelle Clinique, c'est ça, dans cette zone-là. Et vous aviez, c'était quoi, une plomberie, c'est ça, un ancien magasin de plomberie vous avez racheté? On est toujours, on est pareil, on est locataire, hein, mais oui, il y a toujours Ouais. écrit pour les chaufferies, Toujours. absolument. Et là vous avez réussi à choper les locaux d'à côté, c'est ça? Ouais, c'est du coup une ancienne société de nettoyage. On a quand même enlevé, enfin, c'est eux qui l'ont enlevé le logo, sinon on l'aurait laissé, hein, parce qu'on enlève rien. Oui, du coup, on a le local, comment dire, on avait la moitié du local avant. Il y avait une autre société avec nous et on a récupéré en gros la totalité du local. Du Ça coup, on fait a un récupéré peu ça. brasserie cachée, hein. Si vous laissez tous les logos, vous faites ça C'est un ça. peu Jesse et Walter. Il y a encore 6 mois, les gens sont rentrés chez nous, ont vu des fûts partout, des bouteilles dans tous les sens et m'ont dit, bonjour, j'ai une fuite. Ah ouais, oh les génies. Je peux pas parler un peu, mais. Donc là, vous On avez a plus de réussi, on place a. pour la prod et Comment? aussi, je disais, vous avez plus de place pour la prod et vous avez quand même un gros projet de taproom cave, en tout cas, c'est ça. Hein. C'est ça, ouais. Bah, en fait, du coup, bah, bon, pour l'histoire, nous, donc on est assez jeunes, hein, le local, c'est un petit peu tôt pour nous, c'était un petit peu tôt pour nous pour l'avoir, mais comme on est sur des bails fixes, 3, 6, 9 classiques, si on ne le prenait pas, bah, il fallait qu'on déménage plus tard, déménager une brasserie,
C'est vraiment pas simple. On s'est un peu serré la ceinture, on a pris le local, on s'est dit, bon, bah, faut y aller, faut y aller. Donc, quelles sont les solutions pour pouvoir payer le local? Donc, on a embauché, on a acheté des fermenteurs qui vont arriver dans pas trop longtemps. Et puis, on s'est dit qu'on allait mettre, augmenter le, enfin, vraiment faire un côté magasin avec Taproom. Voilà, tout ça, c'était évidemment en début d'année en Covid. Voilà. Tout est ralenti là, ou il y a quand même des brides de cette idée qui arrivent à subsister à travers cette crise-là. Ah bah de toute façon, on a embauché, donc la personne, elle est là. Et du coup, on a acheté les fermenteurs, donc ils vont arriver. On compte effectivement enfin, ouvrir au plus vite possible le côté taproom pour justement nous aider de ce côté-là aussi, quoi. Et le local est plutôt bien, il s'y prête bien. Il y a moyen d'avoir. De faire un truc assez sympa, ouais, on va avoir un truc genre 75 mètres carrés juste pour le parti bar, recevoir le Super. public. C'est pas mal. Donc on aura à peu près 5 pressions en permanence. Et voilà, donc toutes les nouveautés, etc. vont passer par là. C'est hyper bien. Vous avez... Est-ce que c'est vraiment Taproom ou il y a peut-être moyen de se transformer vraiment en bar à part entière? Parce que là où vous êtes situé, il y a quand même un public de sortie de boulot qui peut vous venir, venir pardon. Il y a quand même des endroits pas loin en restauration qui fonctionnent bien le soir. Ouais. Mais bon, en fait, on sait pas trop. Ouais, en gros, on sait pas trop. On se tape quand même encore des horaires qui sont assez balèzes. Du coup, se rajouter encore du temps, etc. Donc, sinon, il faut mettre absolument une embauche. Et c'est une idée aussi, hein, clairement. Mais on sait pas. En fait, on sait pas quoi. On sait pas comment ça va prendre. On sait pas si. On va voir. On va tâtonner un peu et on va voir comment ça va marcher. Donc là, comment vous avez géré la crise en termes de gestion de vos stocks de bière? Parce que là, on parlait de les livraisons, mais avant de pouvoir livrer des bières, il va falloir les vendre. Elles étaient en fût. Vous avez réussi à faire le fameux inversement de pouvoir mettre vos fûts en bouteille ou comment vous avez géré ce truc-là? En fait, bon, on avait un peu de stock déjà, parce que du coup, on avait commencé à préparer plus ou moins l'été, donc un petit peu, je veux dire, on a un peu de tout, et on avait 70% de tout en fût. Donc, on avait un petit peu de stock, et puis effectivement, bah, après, on a été obligé de rebrasser au bout d'un moment certaines raves qui étaient parties un peu plus vite. Et on a fait des tests, du coup, avec Steve, justement, du bar, pour passer avec des beer guns. De fût à des bouteilles. C'est assez laborieux, mais ça marche. Ça marche. On a testé, du coup, il y a 3 semaines, un mois, là. On a testé sur une bière hyper fragile. On a une micro-IPA en 2,5. Du coup, très, très fragile, celle-là. Pour le coup, là, ça fait, elle a que un mois en bouteille. Mais elle n'a pas bougé du tout. On l'a goûté aujourd'hui. Voilà. Okay. Pas Du coup, facile ça. ça parce que enfin, pour ceux qui connaissent pas, faut descendre la température au max histoire que ça bulle le moins possible. Donc là, avec une bière légère, tu peux pas descendre non plus trop bas sinon ça gèle. Ouais, du coup, c'était un peu la galère. Bah, nous, on a une chambre froide, du coup, de 70-80 mètres carrés maintenant, donc elle est bâclée. On a réussi à baisser, donc il devait être à 6-7 degrés. Et en fait, avant l'enfûtage, on foutait au congèle pour diminuer avant, au maximum. Et après, on y allait au maximum, mais on ne laissait pas très longtemps non plus, quoi. Voilà. Et du coup, on a fait les tests comme ça. Par où, ouais, on n'a pas de perte du tout. Voilà. Après, du coup, on va voir si on va le faire plus ou pas, on ne sait pas encore. Peut-être pour des one shot même, parce que du coup, on a quelques bières qui sont cool. On a Imperial Dark Saison qui est en fût, par exemple, qui est plutôt cool. On l'a envoyé à quelques endroits. C'était une commande pour un bar parisien, en fait. Et du coup, on l'a envoyé à quelques endroits en fût, mais très peu. Et du coup, bah, on se dit, on va peut-être le tester, même pour nous, Trop en bien. fait. Vous avez quand même une gamme de bières noires qui est assez
assez étoffé, je trouve. En tout cas, j'ai vraiment ce sentiment que vous avez des volontés de faire des bières noires qui, on disait en intro que vous faites des bières qui vous plaisent. Et là où on a quand même une grosse mode, c'est pas une mode que ça fait longtemps, mais on a une grosse tendance au houblon. Vous avez quand même cette fibre, je trouve, de bière noire. La dernière, enfin celle qui me vient en tête, c'est la Jessica qui était dans votre Beck Imperial Stout. Ouais, Et vous je avez vois quand bien. même des produits en bière noire qui sont assez marqués, je trouve. C'est quoi? C'est votre côté à vous trois ou c'est vraiment cette volonté c'est votre kiff à vous? Moi, je pense que tous les trois, moi j'adore ça à la base. Ouais. J'ai commencé par ça en fait. Du coup, et puis, on se rejoint tous là-dessus. Au début, on ne pouvait pas trop en faire parce qu'on s'est rendu compte quand on a commencé, qu'on n'était pas connu, que ce n'était pas très vendeur de faire des bières noires fortes. Donc, on a limité. Et maintenant qu'on. En gros, on se rattrape quoi. Maintenant qu'on n'a pas trop de soucis pour les vendre, ben, c'est peut-être pas mal dessus. Voilà. C'est marrant que tu parles de ça parce que comment se vendent vos bières? Est-ce que le fait d'avoir fait pas mal de festibières et de salons, tu arrives à faire un peu une carte géographique de la France de qui consomme quoi? Est-ce qu'il y a vraiment cette tendance à IPA marquée ou et maintenant peut-être un peu plus bière acide, c'est global? Ou est-ce que tu as des régions où ils vont boire ça et ça et ça? C'est globalement assez proche. Après, plus on va dans. Enfin, en fait, ça dépend. Ça va dépendre de la cible. Si on fait un fest avec vraiment orienté beer geek, etc., là, ça va être global. On va se taper à peu près la même chose. Hein. Par contre, on fait quelque chose qui est un peu intermédiaire, par exemple. On a fait certains festoches où bah ouais, on voit qu'il y a une tendance sur les produits consommés localement, quoi. Ouais. Voilà. Je parlais, par exemple, on a fait un festival l'année dernière à Arras. Où c'est le seul festival où on ne s'est pas posé la question, on a mis de la triple. Ouais, ok, bah ouais, ça semble logique. Et ça a très bien marché, les gens l'ont très bien apprécié, etc. Mais c'est vrai que si je vais à un festival geek, je vais pas prendre de la triple. Voilà, c'est ça. Après, on a fait des essais, des fois, en fait, hein, on va avec des trucs, on se dit, tiens, est-ce que ça a marché ou pas? L'année dernière, on avait fait le Beer Love Fest, bon, il avait prévu du beau temps, enfin, on pensait qu'il allait faire beau mou, pardon. Donc, on a mon micro-IPA à 1,5 degré. Bon, ça marche pas, ça, en festival, par exemple. Les gens aiment Ouais. bien la. Quand même. Il faut que ça fasse au moins 4 degrés, quoi. Voilà. Alors que, du coup, c'est tous les brasseurs, on a passé le feu avec les brasseurs, quoi. Ok. Ouais. Chacun y trouve son compte, en Ça. fait. Et du coup, on est globalement quand même sur. Tant qu'on est sur des fests plutôt orientés geek craft, on est sur le même type de produit, à peu près, quoi. Voilà. C'est très similaire. C'est vrai que les gens dans le nord ont plus tendance à regarder quand même des bières un peu plus fortes que dans le sud. On nous demande si la taproom va être dédiée à vos produits uniquement ou est-ce qu'il y aura des invités? Donc peut-être que tu peux nous parler de ça. Tu disais qu'il y avait 5 bags, donc vous faites sûrement full no-till. Mais en cave, est-ce que vous avez autre chose? Enfin, est-ce que tu peux nous dire des trucs là-dessus? Justement, c'est une idée. Déjà en cave, on va sûrement mettre des produits de copains. Par exemple, les gars qui viennent faire des collabs chez nous, bah, ce serait pas mal d'avoir un produit ou un ou deux en cave. Voilà, juste pour le côté fun. Nous aussi, on va pouvoir avoir quelques liens. Hein, et sinon, en tap, j'avoue, on n'y a pas trop réfléchi. On va avoir que 5 pressions. C'est pas énorme non plus. Mais par contre, effectivement, ça peut être sympa de temps en temps de passer des trucs des copains, ouais. Après, comme je disais, je sais pas trop si ça va vraiment marcher, enfin, si la taproom, comment elle va marcher, etc. On sait pas. On sait pas quelle va être la clientèle. Est-ce que ça va être des gens vraiment en mode after work qui veulent boire plutôt une bière classique ou pas? Il y a des chances que dans la régularité, tes clients habitués, ce soit quand même des régionaux, pas des régionaux, des locaux qui sortent du boulot, mais qu'une fois par de temps en temps, tu te tapes. Ça fait vraiment genre, c'est des relous quoi. Mais tu récupères le beer geek qui est parti en vacances, qui a fait, je sais pas, le voyage à Nantes, et puis en fait, en plus de ça, il s'est fait la tournée des brasseries locales, c'est peut-être ça aussi. C'est possible, mais en fait, on n'a pas de vision parce que du coup, enfin, avant, on n'avait pas de magasin. Enfin, on avait un magasin, mais personne n'était au courant. On n'a jamais fait de la pub ni rien.
Du coup, on ne sait pas du tout quelle sera notre clientèle chez nous. Mais oui, si on a des deux, bah, du coup, on va s'acheter un peu plus, effectivement. Ouais. Même ça nous arrangera, je pense, hein, clairement. J'avoue, si je peux passer des bières de copains ou des trucs que j'aime bien, ce sera probablement des bières par contre, de brasserie qu'on apprécie et qu'on connaît, quoi. On est quand même dans une démarche de faire fonctionner avec un petit comité, je veux dire. Enfin, voilà. Si c'est une brasserie que je connais pas ou qui est étrangère, je suis moins sûr de le faire. Super. Je vais remettre dans le chat, n'hésitez pas à balancer vos questions, je remets dans le chat le lien pour commander. Là, pour la suite de ce que vous pouvez planifier, et tout le monde planifie un petit peu avec frilosité, j'ai envie de dire. C'est quoi votre suite de... Vous continuez à brasser, vos fermenteurs sont pleins, ou justement vous continuez à attendre histoire d'avoir un feu vert? C'est quoi votre suite des événements? Au niveau de la prod, notamment, surtout. Nos fermenteurs sont pleins. Ok. Ils sont pleins. Par contre, on n'hésite pas à. Enfin, pour certaines bières, du coup, on a des bières qui sont fortes ou des trucs comme ça. On laisse vieillir un peu. Enfin, on les vieillir, on les laisse en garde un peu plus longtemps, etc. On n'est pas très pressé pour les sortir actuellement. Mais en fait, on attend, c'est pas trop. Du coup, quand on voit que nos stocks baissent, ben, on brasse. Et on prépare ça, quoi, en fait. Ok. Mais effectivement, on attend le déconfinement pour renvoyer. Par exemple, là, actuellement, ben, c'est vrai que les bières houblonnées, on fait plutôt nos classiques. On attend le déconfinement pour pouvoir refaire des trucs un peu plus. Enfin, un peu des éphémères, des choses comme ça. Enfin, bref, on voit, on va tâtonner, Ouais. là. On tâtonne. Parce que, du coup, on ne sait pas ce qui va se passer. Le déconfinement, là, du coup, il vient d'avoir lieu. On ne sait pas si les gens vont venir chez nous, parce que du coup, vu que personne ne venait, parce qu'il n'y avait pas de magasin, ben voilà. Livraison, on ne sait pas si ça. Enfin, là, on continue un petit peu, on ne sait pas si ça va continuer avec les bouchons, le fait que Bah tout le monde ouais. soit à faire, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et donc, vu qu'il n'y a pas de bar, voilà. Là, on ne sait pas du tout où on va, clairement. Fermenteur plein et on attend un petit signe pour pouvoir balancer quoi. C'est un peu ça l'idée. Ah ouais. Alors, du coup, on met des bières qui sont moins fragiles en fermenteur aussi, hein, c'est sûr. Ouais. Alors, Ah, j'allais te poser une question sur les prochaines recettes à sortir, mais ce serait peut-être plus de la question orientée sur les prochaines recettes, enfin des recettes que vous avez en tête. Si maintenant vos fermenteurs sont immobilisés, les recettes à sortir, ça va peut-être pas être pour tout de suite. bah en fait, on va avoir du coup, on a quand même quatre recettes qui. Enfin, quatre recettes. On a la Baby Barrel qui va ressortir, donc la double IPA barriquée. Ok. Donc, on va les vieillir, mais elle devrait sortir d'ici un ou deux. On a une triple à 10 degrés, en fait, une autre version de la version rhum qu'on avait faite, du coup. On a travaillé avec les rhums de Seine à côté. On a une Imperial Stout dans les 10 degrés aussi, qui est encore une Trop bien. Kvetch, mais modifiée. Et puis, on aura une micro IPA qui va sortir aussi. Voilà. Donc, ça c'est dans les tuyaux. Et après, on a des projets, mais bah voilà, on attend un peu à savoir un peu où on va encore. Voilà. Eh Façon, enfin, ouais. Tout le monde est un peu dans le flou. ouais. Est-ce que tu parlais qu'une grosse partie de votre prod, elle allait dans des bars? Vous avez des gens qui ont un bec fixe, Nautil? Ouais, enfin, ouais, oui. Bah déjà, oui, enfin, il y a sur mesure, il y a des marquettes, hein, à Oui, c'est Nantes. vrai, ouais. En fait, c'est tellement obvious que j'y ai même pas pensé. Et après, en fait, il y a un bar à Paris, donc Kerbir, avec qui on travaille beaucoup. C'est pas un bec fixe, mais en général, on a au moins deux, trois pressions là-bas. Après, on travaille aussi avec un bar à Quimper, enfin, un Nazaire, pardon, enfin, qui est à Quimper aussi. Et puis après, c'est pas mal de. Ouais, ce sera pas des becs fixes, je pense pas, mais on revient régulièrement chez eux, quoi. Ok, vous avez des clients privilégiés qui n'ont pas des becs fixes mais qui savent qu'ils peuvent vous appeler. C'est ça, en fait, ouais. On travaille pas avec tant que ça de bar, nous. Par contre, on travaille très bien avec l'honneur. Et c'est une question qui me vient là-dessus parce que si tu bosses avec ces gens-là, enfin si vous bossez avec ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas de contrat brasseur.
Est-ce que tu sens qu'il y a de plus en plus de demandes là-dessus et que un peu ce côté dictat du contrebrasseur il tombe petit à petit ou c'est juste des ouvertures qui font ça? Ouverture de nouveaux bars. C'est plutôt des ouvertures. Enfin, de moi, de ce que je connais, c'est des gens Ouais. qui arrivent, ouais, c'est des ouvertures. Ouais. Ceux qui sont Après, il y a contrebrasseurs, ils pas mal. restent là-dessus. Ouais, il y a pas mal de gens qui me disent, ouais, bientôt, on termine, on a fini de payer, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas, j'ai, nous, on ne travaille pas avec des gens qui sont, enfin, quasiment pas, voilà, avec des gens qui viennent de finir leur contrat. C'est plutôt des créations. Ouais. Ok. Comment on peut vous soutenir là-dessus? On peut commander sur le shop. Là, je viens de mettre le lien dans la description. Là, vous avez toujours un drive et de la livraison, mais on peut toujours pas venir à la brasserie ici. Ici, vous pouvez venir à la brasserie, du coup, on a tous les produits sur place. Du coup, on a mis toutes les règles, etc., classiques. Donc, soit vous pouvez prendre par le drive, on peut livrer, ou pour nous, le mieux, c'est de passer à la brasserie, parce que du coup, les nouveautés sont dessus. C'est un peu moins cher pour les gens aussi. Ok. Et voilà. Et puis, du coup, en plus, en général, on peut présenter, on peut, enfin, voilà, on peut montrer Bougez-vous. des. Quand on a le temps, on monte à la brasserie, on n'hésite pas, quoi. Voilà. Ouais. Donc bougez-vous à Rosé tant qu'il n'y a pas trop de trafic. En plus, où vous êtes, ça peut être ou la galère ou complètement l'inverse. Oh, pourquoi la galère? Parfois, c'est galère, non? Enfin, avant le Covid, il y avait quand même pas mal de manifs au niveau de chantier port autonome. Et ça là, juste avant le pont de Chauviré. Pour moi, c'était galère de venir chez vous. Ah ouais, j'avais pas faut j'entends ça. Ah oui, au niveau du pont Chevirey, ouais, après quand on vient de Juste avant là, nouveau. le dernier rond-point, là, il y avait vraiment des manifs assez régulièrement. D'accord. Nous, on n'a pas trop fait gaffe. Après, quand on vient de Nantes, bah, nous, on habite à Nantes. Du coup, enfin, Ah ouais. bon. Ce n'est Donc, pas du. Vous êtes du bon côté. ouais, peut-être, je sais pas. Vincent prend souvent, pourtant, le périph. Ok. Écoutez, Voilà. messieurs, dames, si vous avez des questions, c'est le moment pendant que je pose une dernière question à Fabien. Là, on sait comment vous soutenir, donc il faut passer à la brasserie. On a une petite idée de ce qui va se passer après, mais on croise les doigts. Vous avez des becs fixes plus ou moins dans certains endroits à Nantes. Là, l'idée, c'est vraiment de venir vous voir sur le lieu de prod, acheter des bières. Ça permet vraiment de soutenir le truc. Et de vous, de votre côté, ben, vous avancez la taproom et après, on boira des bières en pression, les acheter en bouteille. On a aussi en prévision, donc nous, de travailler un peu plus sur Nantes, hein, parce que du coup, comme je disais, on ne travaille pas tant que ça. Ça, c'est un truc qu'on aimerait bien faire. Ouais. Après, clairement, il y a des gros soucis de temps. On ne peut pas tout faire. Voilà, et du coup, on a un peu suivi le mouvement aussi, nous, hein, où ça a marché par des commandes à gauche, à droite. Et maintenant, on aimerait bien revenir un peu plus sur le local, quoi, du coup, comme c'est une démarche qu'on a à la base. Et voilà. Cool. Écoute, a priori, tout le monde a posé sa question. Si vous avez d'autres questions, ben, vous êtes dispo. Comment vous joindre par un Messenger, par un Facebook? Ouais, Messenger Facebook, Facebook, c'est le mieux? téléphone, on n'est pas très. Pas très. Téléphone est au milieu de la brasserie, pardon, il y a pas mal de bruit, donc on Chacun n'est a pas. sa préférence. Je me rappelle le Charles qui disait, eux, ils ont carrément coupé la messagerie Messenger. C'est Ah ouais? exclusivement par mail. Ouais. Ouais, chacun a sa petite préférence. D'accord. Bah nous, ouais, on est pas mal sur Messenger. Parce qu'on voit Ok. qui a répondu, c'est assez rapide pour nous. Super. Marrant. Eh bien, allez voir Fabien sur Messenger. C'est toi qui réceptionne directement en plus, ça, non? Ah, c'est moi, Vincent. Moi, Toi et Vincent, Vincent. principalement. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, embrasse Vincent et Clément. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je Bon. vais renvoyer tous les liens et ils sont dans la description pour pouvoir commander chez Nautil. Et merci à toi. Merci à vous et du coup, bon week-end, profitez. À Ouais, à bientôt, Arrosé. Salut! bientôt, ouais. Ciao! Ciao. Ok, les petits potes, eh ben, c'était cool ce petit live. Je vous mets la petite vidéo qui va bien. Qui va bien. C'est le sponsor, toujours le même, mais toujours de la quali. Bon, on remercie quand même Fabien d'avoir accepté l'invitation. Maintenant, on a fait le trio, donc je vous ferai plus chier avec les bières nantaises.
On a fait Nautil, on a fait Aérofab et puis on a fait le Bubar. Pour la petite histoire, c'est des gens avec qui j'ai pu bosser sur une collab l'année dernière, la collab Shifumi, qui était en vente à transfert, qui était plutôt cool. Trois single ops, c'était assez fun à faire. Donc maintenant c'est fait. Je félicite aussi les gagnants de la semaine dernière et j'ai vu que Clément était là. Donc il y a Clément, Ronan et Sébastien, les gagnants du Craft Beer Live de la semaine dernière, qui ont gagné une visite de brasserie. Je vous rappelle que si vous partagez ce live, eh ben, je fais un tirage au sort juste après pour gagner le pack dégustation de la brasserie Nautil. Je vous enverrai un petit message pour vous fournir ça. Petit rappel aussi, les liens sont une fois de plus dans la description. La tournée pour les soignants. Donc cette fois-ci, on a Thibaut qui est là. Je ne sais pas si Thibaut pourra nous envoyer le lien, mais la dernière fois, il a été assez réactif. La tournée pour les soignants, donc c'est une cagnotte sans frais en ligne qui permet d'acheter des bières à prix réduit auprès des brasseries. Ça permet de financer les brasseries et de pouvoir les payer un apéro aux soignants par la suite. Donc, un super projet. Voilà pour le lien. Et puis, vous avez une fois de plus la carte des bières craft de Nantes et Nantes, Nantes étendue, puisqu'on a quelque chose d'assez grand qui va jusque sur la côte. Tous les lieux où vous pouvez retrouver votre bière artisanale, soit en drive, soit en livraison, soit maintenant en visite sur place, maintenant qu'on peut avoir accès au lieu. Voilà. Donc, partagez ce lien. C'est terminé pour la cagnotte, Josh, il nous dit. Ok. Eh bien, Josh, si tu peux nous envoyer le montant, comme ça on peut célébrer, non? Alors, pour la suite, Erwan, pour répondre à ta question, vers quel type d'invité? Eh ben, au début de live, je vous proposais de me donner vos invités. Moi, je cherche vraiment à avoir une personne de type féminin, histoire de pouvoir un peu casser le joug barbe-casquette. L'idée, c'est de pouvoir donner la parole à d'autres personnes. Donc, je ne veux pas vous en dire plus, mais pour les prochains lives, on essaye de rester dans le thème de la bière, mais dans le sens un peu plus large, notamment sur les matières premières, sur les déchets liés à la bière. Et puis, j'aimerais bien aussi, maintenant que le confinement est terminé, pouvoir vous proposer des lives avec des barmans, des cavistes, les gens qui vendent la bière. Là, on a beaucoup parlé des gens qui faisaient la bière. Mais des gens qui vendent la bière. Donc on a eu Fred du Trèfle Noir qui lui est responsable des ventes. Fred, tu m'arrêtes si je me trompe. Mais l'idée serait de pouvoir pousser à des acteurs entre guillemets différents, donc pas forcément des producteurs. Ça peut être des distributeurs, ça peut être des restaurateurs qui souhaitent travailler dans la bière. Tout ça, c'est vraiment pour faire le lien avec ce que moi je fais sur l'entreprise Beer, et pouvoir travailler avec l'ensemble des acteurs brassicoles. Et là, pour le coup, le live, c'est de leur donner la parole. Alors, Josh nous dit que c'est 260 euros au total. Waouh, c'est quand même assez fou. Donc 37,14 € par brasserie, c'est plutôt pas mal. Ça fait une bonne tournée 260, c'est pas ce que je claque dans une soirée. Donc voilà, la suite des lives s'orientera là-dessus. J'ai toujours mon petit joker québécois que Fred connaît très bien. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui savent de qui je parle. Et puis j'aimerais aussi donner la parole à quelqu'un de Nantes Beer Club. Parce qu'on est aussi dans les acteurs de la vie brassicole nantaise. Ouais, les gens du Delirium sont évidemment les bienvenus sur ce live. Je les connais pas trop, mais c'est l'idée, c'est de leur donner la parole. Voilà. Donc pour la suite, comme je vous disais en intro, réouverture des ateliers avec la Hulotte pour ma part le 20 mai, le 3 juin, le 17 juin et le 1er juillet. Je vous envoie le lien dans le chat pour réserver votre atelier. Donc c'est limité à 8 personnes, comme je disais, pour limiter les risques de contagion. Je vous envoie le lien dans le chat. Voilà, c'est parti. Et puis, eh ben, essayez d'être au taquet sur les changements de situation de vos bars et de vos restos à partir
du 2, parce qu'on espère pouvoir retourner un petit peu, certes dans des conditions un peu délicates, mais dans nos endroits préférés. Pour le code promo qui n'arrête pas de défiler, c'est la sixième fois qu'il passe, dépêchez-vous, il va être limité dans le temps, ce code. Donc bière avec un 3, ça vous permet d'avoir 10% sur votre commande, que ce soit de bière ou de cocktail. Je vous conseille vraiment de prendre les deux. Donc des cocktails qui sont faits sous vide, avec des produits de saison, avec un talent monstre. Voilà, des petites poches que vous voyez là. Je vous conseille une fois de plus le Punta Cana, qui moi m'a beaucoup plu. Voilà, le live touche à sa fin. Je ne peux que vous remercier. Je remercie Fabien et l'ensemble de la brasserie Nautil d'avoir été présents. Malheureusement, on n'a pas pu avoir tout le monde, et c'est dommage, mais on fera en sorte d'avoir plus de monde différent. Je vous souhaite une bonne soirée. Continuez de soutenir vos brasseries locales, vos acteurs locaux. Allez dans les bars quand ça réouvre. Allez commander vos bières dans les caves maintenant que c'est réouvert. Partagez ce live pour pouvoir participer au tirage au sort. À bientôt. Buvez local. À très vite. Salut!